Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour clôturer une saison. On a fait le plein de médailles pour l'instant, avec une médaille d'or en relais, une médaille d'argent en relais, une médaille de bronze en relais, et hier, une médaille de bronze en individuel, la première de notre carrière en solitaire. On a pris 2 dixièmes d'avance sur Mikita Labasto et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et écoutez, on va pouvoir disputer à Tumen la dernière étape de Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition puisque nous sommes pour le moment 7e. 7e ex aequo avec Mikita Labasto, 280 points. Attention à Johannes Dalleux qui est juste derrière à 278 points. Mais pourquoi pas aller chercher Tero Seppälä, 289 points. 9 points d'avance pour le Finlandais, 2 points de retard pour Johannes Dalleux. On a pas mal d'avance sur la 10e place. Logiquement, on va terminer entre la 9e et la 6e place. On va essayer de faire quelque chose de beau aujourd'hui, d'aller chercher Tero Seppälä. Et pour cela, eh bien, on va partir du côté donc, de Tumen avec plus 5, plus 1. Pas de précipitation. Eh bien, j'ai envie de te dire, enfin, choisir les bons skis. Plus 5, plus 1, pas de précipitation. Donc, il faut un petit creux un petit peu différent. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. S'il fait 3 degrés, on a le bonus à 4. S'il fait 1 degré, on a un bonus à 2. S'il fait 6, on a un bonus. On va partir avec ça. Et on va partir dans les premiers, à moins qu'il y ait mieux. On va regarder quand même. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Ça ressemble un petit peu les nucléaires carbone 2. Les Mastus, c'est pas ouf. Et là, c'est pas bon. Donc, ok. On peut partir avec les Faster Ultra Speed 2. Non, c'est pas ouf. Les Faster Ultra Speed 2. Les Rosengull. Voilà, les Rosengull Xenon 1, on est bien. On est pas mal. Remarque, je peux peut-être prendre les nucléaires. Les nucléaires carbone 2, je sais pas si c'est pas mieux. Hein. Ah, les carbone 3, mais s'il fait chaud, ça peut être pas mal. Ah, je sais pas. Non, on va prendre les Rosengull Xenon 1. Il semblait tout à fait correct. On va s'élancer, c'est parti pour donc la dernière épreuve. Et on a le bonus. On a le bonus Gisèle Aparté. Miraculeusement bien. C'est parti, Tumen, nous voilà. La chasse à Tero Seppälä à cette 6e place pour essayer de prendre le maximum de points aujourd'hui. J'espère qu'on va le faire. Oh oui, j'espère qu'on va le faire. C'est parti. Et la piste de Tumen, on va essayer d'être chaud sur les skis. On part avec le dossard numéro 6. Donc on n'aura pas beaucoup de temps de référence, mais il y a quand même Hartweg et Dalleux devant nous. Et Labasto, ah bah ça suffit. Ça suffit, on a nos ennemis du jour. On a nos ennemis du jour, donc c'est parfait. Et pour l'instant, il fait 2 degrés. On a le bonus de 3,5% fait par le fartage. On y va, c'est parti. Et pour l'instant, Johannes Dalleux est devant nous. Labasto est derrière nous sur les skis. Allez, on y va. On prend bien large ici pour Silvioma. Aïe, les supporters russes qui sont au taquet sur les côtés. Hop. Ah ouais, là, Tumen, c'est chaud. On y va. On va se mettre en position tout chousse. On a le bonus parfait pour Gisèle. Et Labasto qui a commis une erreur. Hop, on va relancer un petit peu. Labasto qui a fait une erreur. Attention, il faut qu'on soit bon. Dalleux qui arrive sur le pas de tir. Attention à nous, à nos pulsations. 192, c'est un peu élevé. 192. Dalleux, allez, une petite erreur. Il reste 2 tirs. Non, il va blanchir. Ah, Dalleux qui blanchit. Dalleux qui nous met la pression. Il est juste derrière nous au classement. Et il réussit tout. Allez, on arrive sur ce pas de tir. Tirez vite, tirez bien. Tirez proprement. Et on a tiré vite et on a tiré bien. Let's go. Allez, on enchaîne là, le sprint. Gisèle a fait le travail au niveau du ski. C'est à moi d'assurer maintenant au niveau du rythme de course, hein, tout simplement. Et la précision cette année, hein, au niveau du tir, j'ai l'impression qu'on va avoir le pourcentage en fin de saison. On aura les points attribués, forcément, on va progresser encore. Mais j'ai l'impression qu'on a énormément progressé sur le tir. Beaucoup plus de régularité. Et d'avoir trouvé cette tranche, on va dire, entre 175 pulsations et 160, ça a changé ma vie. Ah, ça a changé ma vie sur le tir, on peut le dire. Allez, on y va, on est toujours bien avec 3 degrés sur le fartage. On a les 4 degrés, les 4% pardon, qui sont nickel sur Gisèle. Allez, on y va, on remet un peu de pression ici. Ah, c'est dur, hein. J'essaie de vraiment de tout mettre sur le ski pour ne perdre quasiment aucun dixième. Mais ça va vite, hein, pour Hartweg sur les skis. 2 secondes 7 pour l'instant de retard sur le Suisse, qui est le temps de référence Hartweg, hein, puisque c'est le leader de la Coupe du Monde, l'intouchable, celui qu'il faudra abattre un jour. Allez, on y va, hop, on va relancer, on se remet.
Et on va arriver à Hartweg. La Basto, encore une erreur. La Basto, encore une erreur. Alors que Johannes Dalleux est sur le pas de tir. Attention, la Basto, deux erreurs pour participer à la poursuite. Ça va être compliqué peut-être pour lui. Ah, Dalleux qui fait deux erreurs. Dalleux qui fait deux erreurs. On n'a pas vu Théro, c'est pas là. Mais attention, pour l'instant, ça a commis des erreurs du côté de Dalleux et du côté de la Basto. À nous de gérer ce tir debout. Et oui, on le fait! Bien sûr qu'on le fait! Bien sûr qu'on le fait! À l'image de la saison dernière, on avait fait une superbe dernière étape de Coupe du Monde. Et pour l'instant, on est à 6 secondes 3 de monsieur Hartweg le Suisse. Et on n'a pas encore utilisé de sprint. Hein. On n'a pas encore utilisé de sprint. Allez, 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 allez. On est pas mal. On va utiliser un petit peu ici, justement. Voilà, pour mettre du rythme. Pas trop non plus. Et on a le bonus qui est en train de fondre, n'est plus qu'à 2%, mais c'est pas mal. Il va y avoir cette grande montée. Allez, 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 allez. Hop, on reprend. Et là, on va y aller en sprint. Là, on va y aller en sprint. Il faut que ça monte vite. Aïe, aïe, heureusement qu'on est parti tôt. Hein, parce que la météo est très, très changeante là en ce moment. Allez, 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 allez. Laisse-nous passer, laisse-nous passer. Voilà. Allez, allez, sur le ski. Il va falloir accélérer ici pour la descente. Ah, il va nous passer devant. Ah, il va nous passer devant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on est bon, on va relancer un petit coup. On s'y remet, on va envoyer le sprint dans ce passage-là. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, il nous bloque, il nous bloque, il a raison. Il a raison, et ici, on va utiliser le sprint maintenant pour terminer la course. En quelle position? Pour l'instant, on est troisième au classement provisoire, derrière forcément l'inévitable. L'intombable Hartweg, Andersen est derrière. Dalleux est bien plus loin et on va en finir. On va en finir pour l'instant troisième devant Dalleux qui est quatrième. Ok, alors on n'aura probablement pas de médaille aujourd'hui, mais en tout cas on est bien. On est plutôt très 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 bien même. Allez, 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 les temps, là, les temps, on est sixième au classement et c'est pas la quatrième. Oh, ça va se jouer sur la poursuite. Johannes Dalleux, est-ce qu'il est là? Oui, Johannes Dalleux est là. Mikita Labasto ne participera pas à la poursuite. Oh, ça veut dire qu'il marquera pas d'autres points. Hop, 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 pour le classement, il est fini. Pour le classement, il est fini, on est 7ème, 320 points, 19 points d'avance quand même pour Théro, c'est pas là. Et on a 17 points d'avance sur Johannes Dalleux, il va falloir faire une poursuite de fou. On est 7ème, il va falloir faire une poursuite de dingue si on veut terminer devant Théro, c'est pas là. Johannes Dalleux, Niklas Hartweg est pour l'instant premier. À part gros accident, il va être champion du monde devant Bakken, devant Quentin Fillon-Maillet. Plus 10, plus 6 avec de la neige. Plus 10, plus 6 avec de la neige. Et ben là, on a quoi? On a un bonus à 4 ou un bonus à 2, ok, pour les Rosengel. Les nucléaires, un bonus à 3, c'est pas ouf. Là, c'est pas ouf. Et les Hamilton, là, on a un gros bonus. Hein. On a un bonus à 2, mais s'il fait chaud, on peut avoir un bonus à 5. On va partir là-dessus. La poursuite, c'est 5 tours. 4 phases de tir. Et on va chasser Théro, c'est pas là. Attention à Johannes Dalleux quand même. Allez, c'est sans pression aujourd'hui qu'on s'élance. Hein. C'est sans pression. On y va, la poursuite. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas faire quelque chose de grand? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai envie de dire... Il y a l'effort. Allez, let's go. Et il y aura un relais pour finir en beauté avec les copains. Pourquoi pas une médaille d'or là encore. Let's go. Allez, on y va. On y va, on y va. Et pour l'instant, du retard, hein, 12 secondes 2. Mais il faut pas trop que j'en vois parce que c'est long, 5 tours. Et il y a cette grande montée. Puis il y a aussi la montée avant le pas de tir. Voilà, il y a quand même du très, 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 très lourd. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur les phases de plat, on va pas relancer. On ira que sur les phases, voilà, dans les phases de montée où on utilisera le sprint. Mais sinon, on va se laisser tranquillement aller. Les trois premiers devant sont loin. Par contre, Théro, c'est pas là, on le voit. Il est à 5 secondes. Il est à 5 secondes. Allez, on y va, on se met en position tout chousse. Ah, le bonus qui est en train de fondre comme neige au soleil. Avec un 6 degrés. Aïe, 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 il faudra un petit réchauffement là. Théro, c'est pas là, Théro, c'est pas là, qui est juste là, on le voit devant. Allez, 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 on y va.
Hop, et le pas de tir qui va arriver ici, on va forcément relancer. Voilà, pas trop non plus, point trop n'en faut. Point trop n'en faut, et on y va. Allez, Bakken, Artois et Quentin Fillon maillé sur le pas de tir. C'est pas là, est en train de tirer. Bakken est en train de craquer. C'est pas là, on va voir. Aïe, aïe, ça va bouger puisqu'on a pas mal de pulsations là. On a pris notre temps, on a pris notre temps, c'est pas là, fait une erreur. C'est pas là, fait une erreur. Beu a fait une erreur, Horn a fait une erreur. Et donc on va peut-être gagner une place, attention. Et pour l'instant on est cinquième. On est cinquième derrière Andersen. Et il y a juste Emilien Claude derrière nous. Ok, on va y aller tranquillette. C'est le deuxième tour, faut pas trop craquer ici, on le sait. Faut prendre son temps. Et en tout cas des erreurs. C'est pas là, il va falloir qu'il termine bien plus loin pour qu'on arrive à passer devant lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette belle place à la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, que ce soit 7ème, 8ème, 9ème, on va prendre beaucoup de points pour améliorer nos compétences. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Je sais que voilà, il y avait eu des critiques l'année dernière, mais le top 10 est là. Et bien mieux même, bien mieux qu'un top 10, puisqu'on va probablement faire un top 7, top 8. L'année prochaine, pourquoi pas viser encore mieux. Encore mieux. Au moins stabiliser ici pour ne plus faire d'erreur. Allez, on y va. On n'a plus le boost du tout. Là, il fait 4 degrés. C'est dommage, on va perdre du temps sur les skis qui auraient pu être évitables. Et derrière nous, c'est revenu très 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 fort. Claude est juste là, il est à hauteur. Aïe, 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 aïe. On glisse pas, Gisèle. On glisse pas, Gigi. Et ouais, du coup, on va être obligé de relancer ici. 182 pulsations, 187. Voilà, on se met là. Et c'est pas là qui nous dribble. C'est pas là qui nous fait le grand pont. Mais c'est pas grave. C'est pas grave avec Emilien Claude aussi. Ah, ça va se jouer. Hein. Tire couché. Non, tire couché. Tire couché, s'appliquer. Et on fait pas d'erreur et c'est pas là. Non plus, Andersen par contre et Emilien Claude, ça va craquer. Benin pas fait d'erreur et derrière Dalleux fait des erreurs, donc ça va, si Dalleux fait des erreurs, on est quasiment sûr de garder notre place, mais c'est pas là pour l'instant, n'a pas envie de lâcher sa place, alors que j'ai un loup, hein. C'est pas un chat que j'ai dans la gorge, c'est un loup, c'est un loup, il est là, c'est voilà, c'est l'émotion de cette saison folle. Allez, on va relancer ici, on est au troisième tour, on est à la cinquième place. Les trois devant sont intouchables, vraiment, ils sont si forts. Hein. Allez, Quentin Fillon-Maillet, les Bakken, les Hartweg, intouchables, vraiment, c'est incroyable à quel point ils sont forts. Alors qu'on va enchaîner le troisième tour, cette montée, on doit la passer encore deux fois. Et pour l'instant, au niveau de l'endurance, on est pas mal. Allez, on retourne. C'est juste derrière nous. Après une cinquième place, ce sera déjà exceptionnel. Et si on arrive à être beaucoup plus juste, on pourra reprendre une médaille l'année prochaine. Ce qu'il nous faudrait, c'est un petit peu plus d'individuel. C'est là où on peut vraiment faire des exploits, l'individuel. Allez, on y va. Hop, on va relancer un tout petit peu ici. Et Quentin Fillon-Maillet qui arrive sur le pas de tir et nous, on y est aussi. Allez, 179 de pulse. 183, 188, 192, on va se calmer. Et on y est, Quentin Fillon-Maillet. 4 sur 4, 5 sur 5. Bakken. Ah, Bakken qui craque pas. Hartweg, attention hein, à ne pas craquer pour Hartweg. Il ne craque pas non plus. Et les tirs debout. Terro, c'est pas là, juste à côté de nous, qui déjà envoie ses premières balles. On n'a pas fait d'erreur, mais Terro, c'est pas là. Et Johannes Beu qui font une erreur. Hop, 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 ça fera un petit tour de piste. Alors, c'est pas énorme, mais ça nous permet de repartir quatrième. Ça nous permet de repartir quatrième avec une légère avance. Mais on le sait, sur les skis, c'est pas là, ça va vite. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le bonus de fartage. Il aurait été le bienvenu pour Siluoma. Dalleux qui ne fait pas d'erreur. Je sais pas combien il est. Et pour l'instant, nous, on est quatrième. Bien loin du top 3, intouchable. Mais avec un petit peu d'avance sur Terro, c'est pas là. Toi a joué sur le dernier tour et le dernier tir aussi. Et pour l'instant, pas d'erreur aujourd'hui au niveau du shoot. On est très 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 bon. On y va, on va utiliser un petit peu le sprint. Peut-être pour passer la bosse. Non, on va garder le sprint pour le dernier tour. On va garder le tir pour le dernier tour. Allez, 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 allez.
Ah, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Ah, il est en train de revenir. Le terreau, c'est pas là. Il est qu'à 3 secondes derrière. Mais bon, ça sera peut-être ces 3 secondes-là qui feront la différence. Il a fait 2 erreurs. Hein. Et Hartweg, attention, Hartweg. On peut voir Bakken lui passer devant. Ah, si, il faudrait qu'il fasse énormément d'erreurs hein, quand même aujourd'hui. Pour qu'on lui passe devant. Pour qu'on arrive à prendre une 3ème place. Il faudrait qu'il y en ait un qui fasse au moins 3-4 erreurs peut-être aujourd'hui. Ça peut arriver, hein, mais j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Attention, 192 pulsations, 191. Voilà, on va ralentir déjà. Etero, c'est pas là, juste derrière nous. Quentin Fillon-Maï n'a pas fait d'erreur. Bakken en a fait une. Ça veut dire qu'Hartweg va être champion du monde. Hartweg va être grand champion du monde. Il va conserver son titre. Et nous, on arrive devant ces pas là. C'est le moment de faire quelque chose. Et on a fait incroyablement un tir rapide, pourtant difficile. Et Etero, c'est pas là qui va repartir en même temps que nous, puisqu'il est encore une fois intouchable. Intouchable, il n'a pas fait d'erreur. Il y a 5 dixièmes entre nous. Ah, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On va essayer de gérer ça, mais. Aïe, 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 aïe. Va falloir vraiment aller vite aujourd'hui. Va falloir vraiment aller vite. Et Etero, c'est pas là qui est déjà à hauteur. Ah, il est déjà à hauteur. Hein. Il est déjà là. Aïe, 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 c'est dur. Ah, il va si vite et le bonus hein, de fartage qui n'est pas si fou que ça. Allez, allez, l'intérieur, on va essayer de se battre. De toute façon, ce sera aujourd'hui une 4ème ou une 5ème place. Ça sera pas autrement. On y va, on y va. Ah, il va si vite, il va si vite. Hein, c'est pas là sur les skis, ça rigole pas du tout. Ah, il nous manque encore un petit peu de grinta sur le ski. Pour arriver à jouer des coudes avec les meilleurs. Après, une 5ème place, c'est bien. C'est bien, mais on n'arrivera pas à prendre la place de Etero Seppälä au championnat du monde. Enfin, à la Coupe du Monde, au classement final. On va probablement terminer 7ème. Mais c'est pas grave, il y aura le relais aussi pour se faire plaisir. Attention quand même, je relance un peu. Allez, allez, allez. Et il y a quand même une dernière montée. Hein. Il y a quand même une dernière montée. Et on va y aller. Attention, on va essayer de le coincer. Non, il m'a coincé. Ah, il m'a coincé. On a essayé de le planter dans le boudin. Ça n'a pas marché. Ah, dommage. Ah, on a tenté le tout pour le tout, le all-in, hein, comme on dit dans le jargon. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Assez dur. Assez dur, j'essaie de le coincer, mais c'est lui qui va arriver à s'en sortir. Et il va terminer 4ème, on va terminer 5ème. Mais c'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. Ça joue des coudes, hein. Avec ces pas là, ça a joué des coudes. Pas d'erreur. Ça, en ski time, on perd 26 secondes. Hein. C'est pas là, on a perdu moins que nous. Shooting time. On a mis quoi là, on a mis 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. 1. Et enfin, waouh, 7 secondes. 1. C'est pas mal. Au niveau du tir, c'est très bien. Et il y a donc derrière le relais. Moins 11, moins 15 et pas de précipitation. Moins 11, moins 15, pas de précipitation. Moins 11, moins 15. Ouais, pas ouf. Moins 11, moins 15 no, c'est pas mal ça. Moins 15 on est là, moins 11 on est là. Et s'il fait un peu plus, c'est pas mal ça. Pour le relais de toute façon avec les copains, on le sait, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Ah ouais là c'est du plaisir. Allez mon petit, allez mon petit. Pour finir la saison, pourquoi pas une médaille, pourquoi pas une médaille d'or. Ça serait exceptionnel. Oh, on aura fait une très belle saison. On aura fait une très belle saison et on est à la saison. Il n'y a pas les JO là Non. Les JO c'est dans 2 ans. Hein. Non, les JO c'est dans 2 ans. Et Claude qui blanchit tout, c'est parfait. Varabey, Tom Sheen. Des erreurs, on part. Probablement une médaille aujourd'hui. Hein. Probablement une médaille aujourd'hui si on se plante pas. Varabey, Emilien Claude, Tichenko, Tom Sheen, Andersen. Les Norvégiens sont 5ème. Allez, 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 on y va. Oui, mon petit. Pas mal. Let's go. Allez, il va nous passer le relais déjà là. C'est à nous. Allez, c'est parti. Et là, on peut y aller à fond aujourd'hui. On a de bons bonus en plus sur les skis. Moins 1 seconde 8. Bon, ah bah, il faut juste pas faire d'erreur et ça va aller. Hein. Faut juste pas faire d'erreur et ça va le faire. Ah, on y va en sprint. Hein. Vraiment là, j'envoie du bois. Hein. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler, on avait 1 seconde 8, on a pris 1 seconde sur les skis à la Tsuki. Eh ouais, ouais, ouais. Et Dalleux derrière nous, forcément. Et le fartage est parfait. Le fartage est parfait, là, pour le coup. Moins 13, c'est nickel.
J'ai hâte de voir combien de points on va prendre sur la fin de saison là. J'ai hâte de voir. Allez, 30 km/h. On y va, on force. Et on va se poser tranquillette. Allez, on est bon. Ah, je kiffe trop ce jeu, mais c'est incroyable. Je prends tellement de plaisir. Je kiffe trop, c'est trop bien. Le jeu est trop bien, c'est trop bien. J'adore, vraiment, je kiffe. Et cette saison, je suis... Ah, la satisfaction quand t'arrives et que c'est difficile à faire quelque chose. Ah, c'est gratifiant, c'est qu'un jeu vidéo, mais l'abnégation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, pour l'équipe de France, s'appliquer ici sur le pas de tir. Et repartir très très vite. Ah, c'est le tir debout, c'est pas forcément celui auquel on est le plus à l'aise. Ouais, bah, c'est pas celui sur lequel on est plus à l'aise, mais aujourd'hui, il n'y aura aucune erreur sur le tir. Aucune erreur sur le tir. Parce que oui, on est devenu le fin tireur occitan. Je pense qu'on peut se l'attribuer, ce titre-là. Dalleux va piocher 3 balles. Le Kalili va pas piocher, mais il est loin. Finello pioche. Douchenko pioche. Nelin pioche. Chômeur pioche. Tout le monde pioche à part les Russes. Ils sont loin, regardez-les. Regardez-les, on a je sais pas combien d'avance. Ils sont à l'autre bout de la terre. Et on va envoyer le relais de l'équipe de France en orbite, bien sûr. L'orbite, ça me fait penser à Kerbal Space Program. J'ai bien envie de faire un petit Kerbal Space Program. J'ai envie de tester le jeu parce que je sais qu'il y a le 2 qui va sortir. Et Kerbal Space Program, ça me tente de fou. Mais ça a l'air tellement compliqué. Ça a l'air tellement compliqué que bon, on verra, mais j'ai envie de me lancer dans le jeu. Je suis tombé sur un stream là et j'ai vraiment accroché quoi. Jeu de découverte spatiale, voilà, où tu progresses. Au début, tu vas à quelques mètres et le but après, c'est d'aller vraiment en orbite. Même de découvrir les confins de l'univers. Allez, on y va. 30 km/h, on est plutôt pas mal. Et on va affiler ce relais dans les meilleures conditions. On va utiliser le sprint. Oh, regarde-moi ça, on a même le luxe de pas avoir claqué le sprint ici. Oh là 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 là, on est bien. Oh là 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 là, mais ça c'est top. Combien d'avance on va lâcher? Je sais pas. On va regarder combien d'avance il va avoir. Parce qu'on voit même pas. On voit même pas combien d'avance il a. 12 secondes 9 sur Tchekov. 20 secondes sur la Basto. C'est la médaille. C'est la médaille aujourd'hui les amis. Bon, si c'est pas la médaille, c'est la cata. Allez, mon petit Jacqueline. Aïe! 1 sur 0. Il avait raté une balle, c'est pas grave. Ok, il en a raté une, il va piocher. Il faut la mettre. Ok, il la met, ça va. Il a perdu un peu de temps. Tchekov n'a pas fait d'erreur. La Baston en fait 2. Beu n'en a pas fait. Stalder, attention quand même. Attention quand même, 9 secondes d'avance. C'est Emilien Jacquelin. Et derrière, c'est Quentin Fillon-Maillet pour terminer. Allez, mon petit. Allez. Quentin Fillon-Maillet qui va. QFM qui va en finir tranquillement. Ah, QFM qui va. Qui va y aller. Ouais, il est hors de question. Il va prendre un tour. Oh, il va prendre un tour à quelqu'un. C'est terrible. Ah, c'est terrible. À prendre un tour comme ça, c'est coup dur. Ah, je sais pas à qui, mais l'horreur. Allez, c'est fait. Et c'est fait. La médaille d'or pour le relais français. Devant le relais norvégien. Et le relais, je pense, ça va se jouer entre... Ah non, Artois est loin. Ça va se jouer... Non, ça va pas se jouer, en fait. Tout simplement, il y aura... France, derrière il y aura les Russes et puis les Norvégiens. Médaille d'or avec le relais garçon. La deuxième médaille d'or de notre saison exceptionnelle. Bon ben voilà. Et ben voilà. Et bien sûr on va regarder combien de points on prend. On termine 7ème. Ah, on termine loin quand même de Terreau, c'est pas là. Mais 365 points. 795 pour Nicolas Hartweg. Exceptionnel. Écoutez, voilà. Hein, petit globe comme ça, du côté du relais. Relais mix 3ème, individuel 3ème, relais là, et deux médailles d'or pour 94% d'accuracy. Oh,
C'est énorme. 94%, c'est très très fort. Bien sûr qu'on continue. Il y a des. Bon, il y a des petites retraites. On a pris combien? 33 points. On peut prendre finisher. Alors, finisher, c'est quoi? Ça peut être obtenu avant l'âge de 23 ans. Et après 32 ans, ça s'arrête. Ça requiert max speed combien? 85 plus. Ok. Finisher, je crois qu'on va plus vite sur la fin, mais. Pour 5 points, c'est quand même beaucoup, hein. Alors, on va monter à 90 ici. Là, on va monter à 90. Là, on va mettre 4 points. Là, on va mettre 4 points. Boost duration, on va envoyer 4 points. Boost recovery, on va envoyer 4 points. Prone accuracy, on va envoyer 4 points. Standing, on va essayer. Après, on commence à être vraiment bon, donc. On peut aller à 85 quand même ici. Écoute, est-ce qu'on y va, on met des points ici, ou est-ce que je mets finisher? Je me tâte. Je me tâte à mettre finisher parce que l'année prochaine, on peut avoir Steel Nerve. Ah, on peut avoir Steel Nerve, mais ça coûte 10 points. Ça coûte 10 points. Mais sur le dernier tir debout, ça ne bouge pas. On va dire que là, on met pas de points. Et là, on prend Steel Nerves. Ah, on peut pas parce qu'il faut avoir 85 en ici. Ah, il faudra avoir 85 et l'année prochaine on pourra le prendre. Est-ce que je prends finisher? Pourquoi pas? Allez, finisher. Et on va se mettre une petite note en comme ça, on est pas mal, hein. Et on va voir le finisher ce que ça donne. Et au pire, si on l'enlève, on récupérera 5 points. J'ai l'impression que si tu l'enlèves, tu récupères 5 points. Après, 5 points, c'est beaucoup, hein. Finisher. Max speed 85 plus. Écoute, on va prendre finisher et on va voir ce que ça donne. On est bon, on y est. On y est, on a pris le finisher. On a pris le finisher. On a 88 de gêne. Hartwig est à 99. Il a 27 ans. Il a Steel Nerves. Oh là 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 là. Silverbacken. Oh là là, Bakken. Second Breeze. Il sera intouchable sur le dernier tour. 199-90. Il est encore plus fort, je pense, que Hartwig. Oh là 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 là, Quentin Fillon Maillet, exceptionnel. 35 ans, il va bientôt prendre sa retraite. Tero Seppälä, 32 ans. Ponsiluoma, 32 ans. Latipov, 33 ans. Labasto, 30 ans. Il y a les vieillissants quand même, hein. Smolski, 32 ans. Johannes Bö, 34. Bah, les deux, ça va être Bakken et Hartwig, hein. Hartwig, il a 27 ans, ça va vraiment être le pire ennemi pendant longtemps. Simon Dessieux, Antonin Gigonna et Haydn Millar. Marinov, Ukko Lapanen. Ah, il y a des petits jeunes qui pop, hein. Il y a des petits jeunes qui pop, mais ils sont compliqués, hein. Ah, ça va être très dur, hein, pour eux de remonter. Georges Buta. Okasi, 35 ans. Ouais, mais ça, c'est mort, hein. David Komats et tout, là, ça va prendre. Je sais pas comment ça va se passer avec l'énorme retraite qu'il va y avoir peut-être l'année prochaine, avec Naorat et compagnie. Même Ladzouki, hein, ça y est, hein. Dimitri Ladzouki, c'est compliqué. Bon, on doit faire une superbe saison. Est-ce qu'il y a des individuels? On va regarder ça. Individuel sprint poursuite. Individuel sprint poursuite. Sprint poursuite mass start. Raubici. Relais sprint poursuite. On peut faire quelque chose de grand. Avec les deux individuels là, on peut faire quelque chose de très 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 grand. Ce sera demain dans le brouillard. On a finisher 90, 90, 86, 84. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à demain pour le début de la nouvelle saison qui s'annonce dantesque avec du moins 16, moins 20. Et j'espère aussi m'avoir retrouvé. À demain, 18h. 11h, pardon. À demain, 11h. Voilà, c'est tout en fait qui est terminé. C'est la voix et c'est aussi le cerveau. À demain, 11h pour la nouvelle saison du côté d'Antols dans le brouillard.